Et que ça serve de choix à tout le monde, vous avez compris? On se fout pas de ma gueule. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Donc pour le coup, faites-moi plaisir et lâchez un petit pouce bleu. Et dites-moi en commentaire quelle est votre série Netflix préférée. Et dans ma prochaine vidéo, je prendrai quelques commentaires. Et comme ça, vous pourrez apparaître dans ma vidéo. Enfin, bref, mettez des commentaires là. Donc non, je n'ai jamais été dans une série Netflix, mais ça a toujours été mon rêve. Et je me rappelle de ça il y a quelques années, je crois 5 ans en arrière. J'ai écrit une série, genre de gang, tout ça qui se tire dessus. J'ai écrit 10 épisodes d'une vingtaine de minutes et j'avais tourné quelques épisodes. Et j'ai retrouvé le disque dur. Donc pour le coup, on va réagir au premier épisode. Eh, commencez même pas à vous moquer. Enfin, bref, c'est Manirage et bienvenue sur ma chaîne. Donc là on va visionner le premier épisode parce que c'est le seul épisode qu'on a au complet. Donc soyez un petit peu tolérants, hein, comme je vous ai dit ça fait 5 ans. On n'a pas vraiment fini le mixage du son etc. On a abandonné le projet en espérant que s'il y a une grosse production qui tombe sur ma vidéo et qui trouve que le premier épisode est top, c'est pas à me contacter. Enfin bref, allez les gars c'est parti, premier épisode. Juste ce bruit là déjà, je me rappelle, trop de souvenirs. On avait un drone, on avait filmé Paris, franchement c'est pas la classe les gars. Enfin non, je crois que le premier plan, on avait volé un plan à quelqu'un et là par contre on avait utilisé un drone, mais le premier plan de Paris etc, je crois que c'était pas le nôtre. Toujours mon petit saucisson sec. Faut que je vous parle de l'instru aussi. Ça c'est une personne en fait qui travaille avec nous, qui était en plus dans la série. Et c'était un ingénieur du son, franchement incroyable. Le mec en fait, comme j'étais fan de Gomorrah, la série Gomorrah, et ben je lui dis, je veux des instrumentales à nous, mais qui sont dans le même thème que Gomorrah, le même style et tout. Et il nous a fait cet instru, il en a fait plein d'autres. Ils sont incroyables. En vrai ça a de la gueule hein. Ouais, c'est bon, laissez-moi tranquille, saucisson sec, coca. Eh, faites-vous plaisir, hein. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Franchement, en vrai, ça a de la gueule quand même. Il y a 5 ans, quand même, on faisait du bon taf quand même, en vrai, hein. Donc ça, pour ceux qui y reconnaissent un petit peu, c'est à Miltaneuse. Je crois que c'est des anciens box, etc. Et franchement, c'était trop classe. Franchement, c'est le décor, il était vraiment incroyable. Je me rappelle quand j'avais montré la vidéo, parce que je l'ai montré forcément à l'ancienne, je l'ai jamais publié, mais je l'ai montré à quelques personnes et ils m'avaient dit ouais le coup de pied, on n'aurait pas dit vraiment. Moi je trouve qu'il passe en vrai. Hein. Moi je trouve que le coup de pied en vrai il passe. Hein. Et vous avez vu franchement la déco, vraiment genre quartier. Bon en même temps c'est dans une cité mais voilà. Tu vas crever. C'est incroyable, franchement la scène elle est incroyable, la scène elle tue. Et donc là, bah, c'est le nom de la série, elle s'appelle Son Crabe, donc de base je crois à la guerre. Donc ça c'est l'introduction du premier épisode. Après normalement dans les séries Netflix, il y a le générique, donc on devait avoir un générique, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Donc on a quand même mis un petit Son Crabe, histoire de dire comme quoi, bah on sait où est la coupure. Se fait soulever, ouais ouais MKS, bande organisée, putain qu'est-ce qu'on fait. Et en fait vous voyez là la musique de rap en fait, bah c'est eux qui chantent, bah c'est Bang Bang, donc Bang Bang c'est le mec qui a le bonnet et au final lui il chantait. Ils avaient un groupe etc, le Mekong Soul, vous pouvez taper sur YouTube n'hésitez pas, et bah c'est eux qui chantent. Putain, ils sont jamais alors ces bâtards. Comme toi ils vont arriver wesh, ça fait plus d'une heure qu'on attend, toujours pareil, ils rendent ouf. Ça, comme vous avez remarqué, c'est le clan des Noaches. Donc ça, c'est les Asiates. Et je crois qu'après, c'est le clan des Renois qui vont arriver, je crois. Même la déco, là, elle est incroyable, en vrai, la déco.
Oui, ok, c'est pas un Renoir, je sais. J'avais dit c'est le clan des Renois, mais en fait, bah, il y a le clan des Renois, mais après, c'est comme dans tout, hein. Il n'y a pas que des Renois, c'est comme nous dans le clan des Asiates, il n'y a pas que des Asiates. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est le clan des Renois et le clan des Asiates. Mais j'avoue, je dis c'est le clan des Renois et c'est même pas un Renois qui sort de la voiture. Wesh, les gars. En vrai, ça le fait, hein, non? Après, des fois, le jeu d'acteur, bah voilà, c'est compliqué des fois, mais. T'as du quoi là? Répète? Un chien, tu as peur. T'es sûr de toi? Oh, calmez-vous, les gars, on n'est pas là pour ça. Là. C'est bon, on a ce qu'il faut, passer du bif. C'est pas tiré, mais c'est. Vas-y, c'est bon, toi là. Ça va, non, en vrai? Mais c'est moi ça! Toujours avec des meufs, moi. On s'en fout. Et ça, c'est G-Ace, c'est la famille, hein, chanteur de rap, tout le monde connaît. Ben, ça, c'est son vrai son à lui. Donc, je pense que je vais me péter les droits d'auteur sur, ce petit passage, mais bon, on verra. Meuf, alcool, la base. La base. Sauf que ça, c'était du Ice-T, je crois. Je sais plus, c'était quoi dedans. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a un problème? Non, franchement, bien. Hein. Je me rappelle de cette scène des bars. Je t'offre un verre. Non, ça ira. T'es sûr? Ça va aller, t'inquiète. Il y a du potentiel. Je pense que tu peux aller très loin. Hein. C'est le but, hein. On l'espère. T'as rien à me dire? Eh, mais je vous jure, qu'est-ce que j'ai honte de vous regarder, je vous jure. En fait, c'est même pas une question de avant, hein. Mais même maintenant, des fois, quand je me regarde, je me dis, putain, mais tu joues comme une merde. Tu joues comme une merde. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe, les gars, là? C'est quoi l'embrouille? À toi de me dire. Enfin, je sais pas, je comprends pas. T'as vu avec Victor? Victor, mais non, c'était juste une histoire de ouais. Signature ou je sais pas quoi, mais y'a rien de concret. Okay. Vas-y, c'est pas grave. T'inquiète, pas de soucis. Wow, les gars. Sérieusement, arrêtez. Tu croyais quand même pas que j'allais signer avec Victor? Pose ta main. Je t'en supplie, excuse-moi. Je t'ai dit, pose ta main. Pose ta main, t'as dit là. Chandel, s'il te plaît, je t'en moi, supplie. Moi, je vais t'apprendre à me respecter. Non, je t'en supplie. Les larmes aux yeux. Eh, et vous savez, petite anecdote, c'est quoi? C'est que ce jour-là, en fait, parce que je devais faire semblant de taper, il a laissé sa main et j'ai vraiment tapé dans sa main une fois. Et au final, après, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a enlevé sa main et j'ai tapé sur le truc. Oh putain. Oh, des barres. Et que ça sert de leçon à tout le monde, vous avez compris? M'en fous pas de ma gueule. Oh putain. Donc je vous explique, lui c'est Chris, donc c'était le chef en fait côté asiatique. Donc c'était lui le boss, c'était notre boss et moi en fait je suis son bras droit ou bras gauche. Pas de problème. Quoi? Macron il était tué. Et là il a lui annoncé en fait que le mec au tout début il est mort. C'est qui a fait ça? On n'en sait rien. C'est pas grave. Rassemble tout le monde. Oui, tout de suite. Et en gros, je vous explique, c'est quoi? C'est que, en fait, le mec qui est mort au tout début, c'est le fils, donc je sais plus c'est lequel des fils, du chef des Renois, qui s'est fait tuer. Là, en gros, lui, il lui explique qu'en gros, voilà, il s'est fait tuer, et lui, il dit que c'est pas bon pour les affaires, parce que, bah, en gros, ça va mettre des conflits, ils vont dire, ouais, c'est les Asiates, etc., etc., etc. Ça, c'est mon pote maudit, la famille. En fait, c'est tous mes potes, hein. Lui, c'est un mec que j'ai rencontré en BTS et tout, franchement, une crème, ce mec. Attendez, je viens de remarquer un truc, là, mais, parce que là, bah, je vous ai dit, là, c'est le clan des Asiates. Il y a un Renoir, il y a un blanc. Ah putain, je mets des putains de slim. Ouais, c'est quoi ce pantalon tout serré là, avec cette doudoune de chez Wish là? Ok, on est là. Hein. Ouais. Je fais cette tête là. Ah ça va, j'avais juste un truc à régler. Ouais. Vas-y, on y va. Vas-y. Putain, c'est bien filmé en vrai. Franchement, c'est bien filmé. Ouais, t'inquiète, tout s'est bien passé. Ah, j'espère que tout le monde est en place, hein. Tout est en place, tout est sous contrôle, t'inquiète. Ah ouais, je veux pas de problème, pas maintenant. C'est la dernière ligne droite. Putain, fais chier. Qu'est-ce qu'il y a?
Ah, c'est Kyle là, il va tous nous voir. Ah, amène-moi au parking, s'il te plaît. Vas-y. Eh, hey, regardez ce plan. Ce plan-là, il est incroyable. Elle est bien tournée cette scène, non? Bon, vous allez me dire c'est une scène normale, mais moi j'aime bien les scènes. Moi j'adore les scènes en fait où c'est une seule scène fixe, en fait où la caméra elle te suit jusqu'au bout et en fait ça fait une seule scène. Comme là en ce moment, il y a la série qui s'appelle Athéna et ben il y a énormément de scènes où en fait c'est une scène longue. En fait c'est pas plein de scènes cut. C'est une scène où en fait le caméraman il te suit pendant longtemps. Bon là c'est pas très long, mais je trouve ça cool. Donc là, en gros, je vous explique, là, c'est le petit frère et le grand frère. Donc en fait, celui de gauche, il y a donc le boss de tout à l'heure, il y a deux personnes en dessous, il y a moi et justement la personne de gauche. Donc en fait, c'est deux personnes et en fait, on a, on va dire, deux clans dans le même clan. Je me rappelle, on avait retiré tous notre argent. Et là, il y avait quoi? Je crois qu'il y avait, allez, 500 balles maximum. Là, on avait tous retiré, il n'y avait plus rien, on était HS. Il n'y avait plus d'oseille, plus personne avait d'argent. 100% tout le monde. Avant, c'était nous les boss. Écoute, petit frère. Un jour, on va reprendre notre place. Pour le moment, on a besoin de lui. Depuis qu'il est là, on est devenu beaucoup plus puissant. Le business n'a jamais aussi bien tourné. Ne sois pas si pressé. Fais-moi confiance, ok? Ok. Quel cul sec! Vous avez vu ça, nous? On voit pas des cul secs de thé, nous? En fait, t'as des nouvelles, Donzuka? Ouais, je vais le chercher, là. Je comprends pas. Comme ça, tu vas le chercher. Allez, où sa caisse? Tu connais Oni. Va le chercher, t'inquiète. Ah vas-y bref, dépêchez-vous s'il te plaît. Ouais vas-y. Eh, et enlève-moi cette casquette. On met pas des visas à la bande nous. Hein? Y'a pas wesh. Je vous jure, elle me dégoûte cette doudoune. Elle me dégoûte, je sais même pas c'est qui me l'avait prêté. Je crois que c'était la doudoune à ma mère ou un truc comme ça en plus. Alors regardez cette putain de scène. Elle est incroyable, cette scène là là. T'es au courant? Ouais, j'ai appris pour le frère Hector. Trouve-moi le fils de pute qui a fait ça. Ok. Tiens, déjà là, commence pas. Salut Kai. Alors moi je me suis appelé Tiendan dans la série. Et en fait ça veut dire paradis. Et en fait j'ai un neveu à moi qui s'appelle Tiendan et j'ai kiffé le prénom et je trouve ça faisait bien. Donc la série s'appelle Guerre. La guerre je crois et moi Tiendan paradis. Enfin, je trouvais que c'était cool. Bon, pour le coup, lui, c'est Escobar. Donc, c'est un chanteur de rap sur Vitaneuse. Franchement, à l'ancien, il était archi connu. Bon, là, c'est un ancien, hein, mais archi cool. Oh, viens, raccroche. Oh, t'inquiète pas, je vais pas jeter ça. Je t'ai dit, raccroche ton téléphone. Bébé, attends, je te rappelle, j'ai un petit truc à régler. D'accord? Bisous, à tout à l'heure. Donc, tu me braques là? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas buter un putain de flic, c'est ça? Je ferai pas ça à ta place, moi. Hé, enlève tes sales pattes, sinon quoi? Bande de pédales. Vous prenez pour des bonhommes? Posez vos gueules par terre, là. Je vous défonce tous les trois, tout de suite, là. Allez-y. Hé, rangez vos armes. On a des affaires plus urgentes à régler. Oh, je vais pas vous péter deux fois! En gros, là, donc il s'appelait Kenan. Donc Kenan, en rapport avec Power, la série Power. Je kiffais, en fait, il y a un personnage que je kiffe, ce qui est fait par 50 Cent. C'est pour ça que j'ai repris le prénom de Kenan. Et lui, en fait, c'est un policier. Et en fait, il travaille pour nous. Enfin, il travaille avec nous. Il a été tué. Et son corps, il a été retourné dans le quartier. Et ça, c'est pas bon pour le business. Ni notre accord avec Victor. Trouvez-moi le fils de pute qui a fait ça. Quant à toi, Kenan, tu vas tenir informé du roulement d'enquête. Vas-y, on n'a pas besoin de cette putain d'alliance. Oh! Écoute-moi bien, Pete, merde. T'as de la chance d'être quelqu'un de Liam. Parce que depuis longtemps, là, t'aurais fait bouffer tes couilles. Désolé. Cassez-vous maintenant!
cette scène aussi, pareil, on l'a tourné tellement de fois, il s'est mangé au moins 15 baffes dans la journée. Au moins 15 baffes dans la journée. Donc le mec du début s'est fait tuer, mais chez nous. Et c'est pour ça le problème, c'est que bah forcément, le clan des Renois, ils vont se dire quoi? Attends, le mec, mon fils, il a été tué chez les Noirs. Donc forcément, il y a un souci. Donc après, ça va mettre de la guerre, des conflits, etc., etc. Je suis vraiment désolé. Je compte sur toi pour me retrouver les personnes qui ont tué Macan. Prends toutes les... Et lui, c'est le boss de chez les Renois. Je te laisse carte blanche. Et commence par chez Kai. Les hommes sont déjà sur le coup. On ne s'attaque pas aussi, c'est... Je jure de te venger, mon frère. Donc, je sais pas où ce que vous en avez pensé, moi ça m'a fait tout drôle de revoir ça et franchement je kiffe. Moi j'ai kiffé en tout cas. Après vous, je sais pas si vous avez kiffé. Moi après vous allez me dire ouais mais c'est normal, t'as kiffé, c'est ta série, c'est toi-même qui l'a écrit, donc voilà. Mais franchement moi quand je la regarde, je trouve qu'elle est prenante un petit peu. Donc en fait ça donne quand même envie d'aller chercher les autres épisodes. Donc je crois que j'ai quelques petites scènes à gauche à droite. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah j'essayerai de refaire une vidéo réaction sur les petites scènes que j'ai retrouvées. Parce que je crois que de mémoire on a fait pratiquement 70% de l'épisode 2 et pratiquement 70% de l'épisode 3. Donc n'hésitez pas à dire et franchement moi je vous en refais une. Mais franchement j'aurais tellement kiffé que ce projet aboutisse, parce que franchement c'est quelque chose que j'ai écrit, je me suis pris la tête à les écrire. Non je rigole, en fait j'ai mis, je crois, de base c'est pour écrire les 10 épisodes, je crois j'ai mis 4 jours pour les écrire les 10 épisodes. Mais j'aurais kiffé trouver une personne qui tombe sur mon projet ou autre et qui me dise voilà Manira, je tiens, j'ai un budget, je te donne le budget, qu'est-ce que t'as à faire, on fait ça sur YouTube, on te pousse, ou Netflix, ou je sais pas quoi. Franchement j'aurais grave kiffé. Donc ce n'est pas le cas. En tout cas n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et surtout à activer la cloche pour recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo. Enfin, bref, peace.